de vous souhaiter la bienvenue parmi nous cet après-midi du 11 octobre 2020 à Tsingar, Moment Liberté. Dans le cadre des campagnes qui aboutiront à l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020. Une semaine, donc nous séparons de cette date fatidique, une date qui entrera dans l'histoire politique de notre pays et démontrera à la face du monde le degré de maturité du peuple de Guinée, son sens de patriotisme et son sens élevé de vouloir changer les choses, vivre une nouvelle ère, partir sur une base solide et faire enfin goûter le bonheur et la prospérité ordinaire. Ce jour qui nous réunit est une occasion solennelle pour le collectif de renouveler son choix indépendant porté sur le candidat de l'IFDG, l'imperturbable et l'âge de mon bâtiment dans le Diallo. Applaudissements. Non, il sera par la voie des urnes et la pratique démocratique la prochaine présidente et qui conduira la destinée de la nation à partir de janvier 2021. Dans cette aventure présidentielle, il aura sans conteste son épouse et sa campagne de tous les temps à la personne de l'imperturbable Hadja Ali Mathieu Diallo. Ainsi que tous ses collaborateurs fidèles et militants aguerris, à ce grand rôle, le collectif se joint et compte y jouer un rôle, pas des moindres comme toujours d'ailleurs. Madame la première dame, mesdames et messieurs, notre engagement de vouloir faire partie de ce cortège qui n'aura d'escalade pas les Centuria est né du constat de mille réflexions, de conclusions qu'on a faites. Nous sommes convaincus que le président Sénoutalin est et reste le candidat qui peut sortir la Guinée de cette misère indescriptible. Applaudissements. Ce chemin galopant, cette insécurité, cette haine grandissante, ce désespoir sans fin. Nous invitons la Guinée en général, les concitoyens de notre localité, à exprimer leur choix en faveur du candidat de l'UFDG. Ensemble, croyons en l'avenir de ce pays, de cette nation, avec à sa tête et l'âge de Mohamed Sérif Dalaï Diallo. Merci, calmons. Que son pouvoir et sa détermination d'aider tous les Guinéens nous inspirent, car depuis 2010, il incarne le parfait personnage. Faire pour guider le peuple de Guinée vers la prospérité dans ce l'été. Madame l'Afrique du Première Dame, chers militants et militants, mesdames et messieurs, chaque jour compte. Nous nous sommes engagés de jouer le rôle qu'il faut à la limite des lois et règlements de notre pays avec les périodes d'avant de l'élection et d'après se passent dans les meilleures conditions et pour que l'objectif visé par le parti se réalise dans notre localité, à savoir assurer une victoire écrasante. Merci. Pour y parvenir, nous sollicitons de vous tout l'appui possible nous permettant de faire nos devoirs envers le parti et son président dans les meilleures conditions. Nous sommes convaincus que s'il y a un candidat qui n'oublie jamais ses militants, une fois au pouvoir, c'est bien et la solidarité. Applaudissements. Il connaît nos attentes. Il connaît nos attentes, nos soucis, nos besoins. Bientôt nous l'aiderons pour qu'il comble les attentes des jeunes, des femmes, des personnes de troisième âge, bref, de toutes les catégories sociales, et se changera également d'unir la Guinée. Vive le Parti d'Union des Forces démocratiques de Guinée. Vive le président Hélène Mouma Sérif Dalaï Diallo. Je vous remercie. Vive la Guinée! Vive l'Alliance nationale pour l'internet!